Et salut tout le monde, c'est MacLeon85. Aujourd'hui, on se retrouve sur Minecraft, sur notre petit, donc sur le serveur The Bateau 85, MacLeon85. Donc aujourd'hui, on va continuer la présentation de notre petite ville. Hein, j'espère qu'elle va vous plaire, sérieusement. Pour l'instant, ça avance tout doucement. Tout doucement, mais sûrement. Hein, un petit peu tous les jours, ça fait pas de mal. Donc là nous nous situons dans la mairie, il n'y a pas eu de modification depuis la dernière fois. Et c'est parti, on sort. Je zoome comme ça, vous ne me verrez pas. Voilà, donc déjà nous allons aller dans le quartier des Bourges, comme d'habitude. Nous allons prendre cette route là. On prend son temps. Voilà, donc déjà le quartier des Bourges à droite, hein, petite modification de la dernière fois. Et là, ouah, c'est quoi ça, centre commercial à gauche? Ouais! Les filles, vous allez pouvoir faire du shopping! Eh oui. Alors là, je suis choqué. Va falloir que je demande à Jebatou pourquoi il manque un villageois. Enfin, un villageois. Pourquoi il manque le policier, bien sûr. Bah attendez, je vais en foutre un. La merde alors! What the fuck? Plat d'hiver? Bah merde. Bon bah tant pis. Voilà, un policier blanc complètement logique. Hop là. Donc voilà, donc on a fait toujours sur le même principe, hein, une plateforme qu'on a posée. Voilà. Donc présentation. Donc déjà la police. Police à votre service, ça c'est de moi ça. Alors donc voilà, donc nous prenons une allée tout simplement magnifique. Oh mince, on n'est pas en peaceful. Difficulty. Peaceful. Alors. Voilà, donc ici, le magasin de lumière. Attends, je bug un peu, désolé. Le magasin de lumière. Bon, il y a trois vendeurs. Ils sont tous bloqués comme des gogoles. Ben non. Tu passeras pas. Voilà, donc des petites lampes. Des ventes de lampes. Pas cher, pas cher. Même si on n'a pas encore mis de prix, on verra ça plus tard. Bien sûr, ne pas oublier l'offre spéciale, la lampe à l'envers avec la citrouille. Et bien sûr, le nom du magasin que j'ai kiffé, hein. Lumi. Attendez, Lumi. Ah, et mince, vous entendez pas, désolé. C'est le Lumi. Oh, Lumi, en nous serons vous éclairer. Ça c'est du slogan, je peux vous le dire. Ensuite, le magasin de fleurs. Très important pour un centre commercial. Voilà, donc des fleurs. On a posté le maximum, presque toutes les fleurs, je crois. Hein. On a mis bien toutes les fleurs. On n'a pas mis champignons, ça sert strictement à rien. Dans les coffres, eh bien, les fleurs. Hein. Les fleurs correspondantes. Et ici, tous les arbres. Voilà, tous les arbres. Alors ensuite, ici, vous demandez ce qu'il y a. Eh bien, pour le savoir, vous devez sortir du magasin. Pour les allergiques, mouchoir à votre doigte. Petite touche d'humour. Bon, du mouchoir, des papiers. Des mouchoirs à papier. Et enfin, pour les peureux des guêpes, s'abstenir. Bon, ça c'est moi, je suis un gros peureux des guêpes. Ouah, 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 ouah. Non, 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 non. Alors. Ensuite, ici, c'est notre centre, c'est notre magasin, c'est notre mince, comment on appelle ça déjà? Comment qu'on appelle ça déjà? Ah. Oh non, j'ai pas le droit. Oh, merde. J'ai pas le droit, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit. Attends, j'ai pas le droit, sérieux là. Oh, j'ai perdu, non, je suis complètement désolé. Un magasin hard discount. Je crois pas que c'est ça. C'est pas grave. Donc voilà, donc les chariots. Toujours 4 chariots. Chariots de stockage qui vous permet d'acheter, de les foutre dedans. S'il veut bien s'ouvrir. Complètement. Ça crame pas, j'ai cru entendre que ça cramait. Voilà, donc les chariots. Alors c'est parti, on va faire un petit tour dans le magasin. Donc on a mis des rails pour qu'on puisse pousser. Bon, le problème, voilà, c'est qu'il n'y a pas de frein. Quand ça pousse, ça pousse. Voilà, c'est parti. Donc voilà, les rayons. Ici, rayon bouffe. Ici, rayon matériaux, bricolage. Merde, 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 merde. Ouais, parfait.
Ensuite, ici, donc là, toujours rayon bouffe. Alors, ici, c'est le rayon des ordinateurs. Alors, explication, on mettra des panneaux, hein. Ici, c'est l'ordinateur qui permet de travailler. Ça, c'est l'ordinateur qui permet de jouer, hein, parce que voilà le logo de Minecraft. Ça, c'est l'ordinateur qui a la plus grande capacité de stockage. Ça, c'est l'ordinateur le plus cher, voilà. Donc le plus performant. Ça, c'est l'ordinateur le plus puissant, la puissance de l'épée. Ça, c'est l'ordinateur le plus rapide, hein, le wagonnet. Ça, c'est l'ordinateur le plus écologique. Et ça, c'est l'ordinateur le plus résistant. Vous dites qu'est-ce que ça fout là, un truc résistant? Je sais pas, j'avais envie, on avait envie, voilà. C'est fait plaisir. Voilà, donc on continue notre tour. Ah, donc là, vous avez déjà tout vu. Ensuite. Voilà, et les caisses. Donc si on mettra d'autres trucs, vous ne vous inquiétez pas. C'est que pour l'instant, voilà. Donc voilà, donc ici, c'est caisses pour tout. Chariot et sans chariot. Ici, que chariot. Et ici, c'est avec le... Avec le... Alors attendez, je vais faire un truc. Allez, allez, go, 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 go. On part. Hop, là, fait chier lui. Donc ici, c'est avec le chariot... Ensuite, c'est son caddie. Waouh, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Voilà. Ensuite, donc système de redstone qui permet quand on passe sur cette plaque. Donc là, ça marche pas. Donc là, normalement, quand il y a un caddie ici, ça permet en fait d'allumer la lumière pour dire qu'il ne faut surtout pas venir, c'est où il y a du monde. Alors, donc c'est une plaque de pression qui permet d'ouvrir justement et de dire aussi que c'est allumé. Voilà. Présentation. Ensuite ici, la boulangerie, quelque chose de très important. Vitrine faite par The Bateau 85. On essaie de faire un truc dans le genre. Puis là, il nous a sorti ça. Bah voilà, tout simple, tout con, tout bête. Ce qu'il nous fallait avec les gâteaux. Tiens, je bouffe d'ailleurs, j'en bouffe. La cheminée ou le pain cuit d'ailleurs. Oh, il n'y a plus de pain. Maintenant, je fais tourner, pas grave. Reviens droit, s'il te plaît. Les boulangers qui vendent de la bouffe complètement normale. Les fours, bien sûr, très important. C'est l'autre qui essaie de me suivre. Ah, c'est de rentrer, hein. Balos, balos, balos. Voilà. Je ferme et voilà. Donc ça, c'est déjà tout ce qu'on a fait. Je trouve qu'on a bien avancé. On a abandonné un petit peu le... Enfin, un petit peu, voilà, un tout petit peu. Pour ensuite passer à... Donc ensuite, pour passer à nos maisons, je vous montrerai ça juste après. Pendant ce temps, donc ici, je vais vous dire ce qu'on pense faire. Ici, on va faire sûrement une boucherie. Et ici, un restaurant. Voilà. C'est dit. Vous savez à peu près ce qui vous attend. Pour l'instant, voilà. Donc les vitres, je trouve ça super joli. Le lever de soleil, tout simplement, joli aussi, hein. La preuve par elle-même. Voyez, le violet. Le vert. Ensuite, il faudra qu'on mette des vitres là-bas, vous inquiétez pas. Pour l'instant, c'est juste comme ça. Voilà. Donc ensuite, on va aller par là. What the fuck, c'est quoi? Il a fait quoi? Alors désolé, mais en fait, juste que lui, il a continué un peu hier soir. Parce que hier soir, voilà, il a joué, puis moi, je me suis déco avant. Putain, il a déjà fait le bâtiment, la structure. Donc. Voilà, donc si je dis il a déjà fait, c'est que à droite, devinez c'est à qui, hein? À droite, c'est As The Batou 85. Maison de The Batou 85 avec un magnifique portail, hein, que je trouve tout simplement magnifique. Tout simplement magnifique. Un petit jardin à sa droite, ici, là, quand on rentre ici. Franchement, j'adore le tapis rouge en plus, là. Petite fontaine. Voilà. Ici, c'est de la terre cuite rouge, comme vous pouvez le voir en haut avec notre... Avec notre énorme item. Et ici, ça sera le début de sa maison. C'est en tout cas ce qu'il m'a dit. Je trouve ça tout simplement magnifique, hein, ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, ce qu'il a fait, c'est ouais, c'est bien fait. Bon, voilà. Là-bas, il m'a dit qu'il fera un garage, un truc dans le genre. On verra ça le moment venu. Allons voir ce que j'ai fait. Bon, moi, je vous dis tout de suite, c'est pas grandiose, hein, c'est pas super, super. J'ai pas fait beaucoup, hein. Mais voilà, c'est déjà pas mal. Ça m'a pris un peu de temps. Voilà, escalier en mode château. Wow. Voilà, donc je mettrai des choses sur les pierres. Hein, c'est pour l'instant, je sais pas quoi mettre. Voilà, en rond, plutôt en losange, même si c'est voilà, au départ c'était prévu que ce soit plus du rond arrondi. J'ai fait de mon mieux. Voilà, petit cercle ici avec de l'eau autour. Je trouve ça tout simplement magnifique. Je pense faire une fontaine au milieu, qui sera au-dessus,
qui passera au-dessus, qui sera plus haut que le niveau de, des pierres, quoi. Et derrière, il y aura ma maison. Elle sera... Ouh, attendez. Lui, il a fait une connerie, j'en suis sûr. Voilà ma petite maison. Et là, comme vous pouvez le voir derrière, alors attendez, je vais dézoomer, voilà. Vous pouvez voir derrière le des îles que je vous avais peut-être montré. Je sais plus. Non, je crois pas. C'est une petite archipel au final. Donc voyez, le terraformage, le terraform de la folie, de l'amour, de la folie surtout, hein. J'y croyais pas, je l'ai fait. Et puis ben voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà, fin de cet épisode, enfin fin de cette partie en tous les cas de la présentation. Prochain épisode normalement, ouais, je me suis complètement craqué. Prochain épisode, eh ben nous aurons sûrement fini nos maisons, je pense, hein. Ou alors vraiment bien avancé. Et j'aurais fini peut-être le centre commercial. Enfin, en tous les cas, j'aurais fini la boucherie et l'ouverture. Vous voyez, d'ailleurs, on a dû agrandir pour mettre le petit système de redstone. Hein. Tout simple. Hein, on se fait pas chier, nous. Vous voyez, un truc qui relie, tout simplement. On se fait pas chier. On fait pas des trucs de dingue. Voilà. Voilà. Donc là, je vais peut-être me lancer à faire une vidéo sur skill. J'ai envie là d'en faire une. Donc ça, c'est normal, hein, vous inquiétez pas, c'est pour faire l'effet du feu qui est haut comme ça. Qui peut, parce qu'ensuite en dessous il y a encore un feu, mais ça monte pas assez les petits trucs de poule, les petits trucs noirs. Donc, comme ça, on les voit bien. Et puis voilà, allez, on va se laisser dans la mairie. Aujourd'hui, mon boulot, c'est concierge. Non, je suis secrétaire aujourd'hui. Merde. Voilà, je prends un livre. J'écrirai peut-être des choses, hein. Voilà, donc je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut le cochon, vous voulez de l'aide, vous voulez de l'aide? Pardon. Voilà, donc je vous dis à la prochaine tout le monde pour l'épisode 3 plutôt, oui, la suite, hein. Puisque le premier épisode c'était qu'un épisode de présentation. Et voilà, ma magnifique salle de conseil. Tout simplement incroyable, j'aurais mettre deux sièges parce que Zebatou est aussi le créateur de cette map. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 3 et pour d'autres vidéos. Peut-être d'autres vidéos skill, hein, je pense. J'en ferai un peu plus. Parce que je vois que ça marche assez bien ces shorts de ces vidéos. Hein. Sérieusement, j'ai envie de dire malheureusement. Hein. On voit ce qui intéresse beaucoup de monde, ce sont les vidéos de guerre. De combat, c'est pas là. Voilà. Enfin bon. Oh, je tourne la tête de Marianne! Allez, salut tout le monde!